Suivez l'édition 2014 du Swiss Judo Open. Avec IKU, équipementier des sports de combat. Je suis venu pour faire la compète, faire un peu de combat et tout ça, et je suis content parce que bon, j'ai rencontré un peu des étrangers et tout ça. Et c'est vrai qu'en ce moment, sans le calendrier, ça manque un peu de compète, donc on va dire que tomber un peu à pic la compète. Ouais, c'était pas forcément prévu de venir ici au début ? Non, c'était pas prévu, hein. Ça s'est décidé même il y a vendredi, c'était à peine le milieu de semaine dernière, voilà, on a dit à la Suisse, on m'a proposé, j'ai dit bah oui, hein, comme il y a les sélections des Europes en France qui sont passées, qu'il n'y avait pas de. Que pour l'instant, voilà, j'ai pas eu d'autres objectifs par rapport à ça, voilà, il va y avoir une longue période, il va y avoir la période de préparation, donc du coup pas de compète, et du coup ça permet de ne pas rester en stagnance trop longtemps. Quoi. Je l'ai senti sur le tapis Au début compliqué. C'est bon sur les profils où j'aime pas trop les attitudes de judo. Et puis un peu mieux en finale où j'ai vraiment pu me libérer un peu, faire du judo, voilà, m'exprimer plus que sur les tours d'avant. Je l'appréhendais en disant voilà, moi je suis venu pour faire du judo justement, pour tourner, pour retrouver des sensations, tout ça. Donc là, je suis content parce que c'était une finale très judo. C'était tout en réaction, en technique et tout ça. Donc c'est vraiment moi ce que j'étais venu chercher sur une compète comme ça. Quoi. Et la prochaine compète, pour toi, ça va être Pour l'instant, bonne question, je sais pas encore. Non, là, on va rentrer en phase de préparation des championnats d'Europe. Du coup, il n'y aura pas de compète tout de suite, mais ça va être surtout une phase où moi, ça va être la préparation physique justement pour ce qui va suivre après les Europes. Et dans le cas où aussi, éventuellement, on m'appellerait pour faire les championnats d'Europe par équipe à la fin du championnat d'Europe, où je sais qu'ils font toujours rentrer des mecs à la fin, donc voilà. Tiens prêt. Voilà, c'est ça. On va se mettre sur le qui-vive.